Shalom, 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 fidèles téléspectateurs de l'émission Temps de prières agressives avec votre humble serviteur, le pasteur Kalala. Que l'Éternel des armées vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse abondamment à la présentation de cette émission. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans la présence du Seigneur, nous sommes là dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre âme serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1-331-262-49-03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Mon frère et ma soeur, je vous prie de partager. Vous qui êtes déjà branché, scotché, je vous prie de partager, et d'inviter quelqu'un qui vous est cher. Dites-lui que l'homme de Dieu est déjà là pour ce moment de prière. C'est en direct que nous présentons cette émission et je vous prie déjà de bien vouloir partager, inviter les autres. Dites-leur que le pasteur est déjà là pour ce temps de prière agressive, ce moment des puissances. Je salue tous ceux qui sont connectés. Vous nous suivez depuis la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique. Vous êtes à Kinshasa, la capitale de mon pays. Vous êtes au Congo Brazzaville. Vous êtes, bien aimé Seigneur, à Libreville au Gabon. Vous êtes en Côte d'Ivoire, Abidjan, partout, c'est en ce net moment, Yopougo, etc. Que Dieu vous bénisse. Vous nous suivez depuis Douala au Cameroun. Bien-aimés, vous nous suivez en direct, même tous ceux qui vont devoir nous suivre en indifféré, parce que nous savons qu'il y a un petit problème au niveau des notifications. Mais je vous prie encore de bien vouloir multiplier les partages, parce qu'on a besoin de faire une large diffusion de nos émissions. Encore une fois, que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Partagez, 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 envoyez les liens à quelqu'un qui vous est cher. Daigne le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, vous bénir, vous qui le faites. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur, mais n'oubliez pas déjà que notre thème, je tiens à vous le signaler, s'intitule « L'esclave ne restera pas esclave ». Que Dieu soit béni. Je répète, l'esclave ne restera pas esclave. Le malheureux ne restera pas malheureux. Le célibataire endurci ne le restera pas pour toujours. La stérile ne restera pas stérile. Le chômeur ne restera pas chômeur. Le pécheur ne le restera pas pour toujours. Bien aimé, il y a un temps où la personne qui est sous la servitude se retrouve libérée par le Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes là pour prier par rapport à cet esprit. Nous sommes là pour prier pour que le Dieu Tout-Puissant s'élève et qu'il nous fasse grâce. Je prie, je prophétise déjà sur ta vie, toi qui es connecté, branché, que le Dieu Tout-Puissant te fera du bien. Élevons déjà nos voix, remercions le Seigneur. Encore une fois, j'insiste, partagez, partagez, partagez. Vous partagez ce live sur votre propre journal, vous le partagez dans différents groupes auxquels vous êtes abonné, vous envoyez le lien à quelqu'un, et vous partagez sur WhatsApp, donc vous cliquez sur l'audio, bien sur la vidéo, vous partagez sur WhatsApp à tous vos amis branchés, scotchés, partagez massivement, permettez à un frère d'être connecté. Allez, sans plus tarder, nous allons élever le Seigneur, on va élever le roi des rois, l'agneau immolé de Dieu pour lui dire merci. On lui dit merci pour ce temps précieux, merci pour ce moment merveilleux, merci pour son amour ainsi que sa bonté. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous agrées dans ta présence. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois l'élévation émanant de la profondeur de nos cœurs.
Nous t'exaltons, Shiloh d'Israël. Nous te magnifions, le roi des rois. Nous te bénissons, Jésus. Tu es digne de gloire, tu es digne de magnificence, tu es digne d'honneur, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, l'agneau immolé. Béni sois-tu, le rocher des âges. Béni sois-tu, le ressuscité du troisième jour. Béni sois-tu, l'étoile brillante du matin. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous te célébrons et t'exaltons, le Dieu aux possibilités illimitées. Sois béni, sois loué, sois exalté pour les siècles des siècles. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Ma sœur et mon frère, que Dieu te bénisse, toi qui pries bien. Je te prie encore, toi qui viens de nous rejoindre, de multiplier le partage, d'envoyer le lien à quelqu'un sur Facebook, dans tous les groupes auxquels tu es abonné. J'aimerais que tu partages, que tu partages et que tu partages davantage. Merci, merci, merci. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Maintenant, tu vas demander la miséricorde du Seigneur. La Bible dit que ceux qui se rapprochent de Dieu se purifient. Dieu pouvait regarder Moïse lui disant, mon frère Moïse, déchausse-toi, enlève tes sandales de tes pieds parce que le lieu où tu te trouves, il est sacré. Et Moïse s'est déchaussé pour, n'est-ce pas, demeurer dans la présence du Seigneur. Papa, maman, je te prie à présent de multiplier, n'est-ce pas, le partage et d'implorer la grâce, mais aussi la miséricorde du Seigneur. Que la miséricorde du Seigneur se répande sur toi. Demande à Dieu de purifier ton âme, de purifier ta robe, de purifier tes pensées. Prions tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ton trône. Nous implorons la purification. La Bible déclare, celui qui dit qu'il n'a point péché est un menteur. Et la vérité de Dieu n'habite point en lui. Nous te prions de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, de purifier nos esprits. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin, acclame le rejeton de David, acclame le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour, l'étoile brillante du matin. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons encore associer notre ami fidèle, l'ami de tout le temps, que Jésus-Christ nous a promis. Jésus dit ceci aux disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, et quand je m'en serai allé, je vous donnerai un autre consolateur, qui est la personne du Saint-Esprit. » Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir de sa présence, d'inonder ton âme, de te revêtir de sa gloire. Élève ta voix, demande la plénitude de Dieu, demande la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus devant toi, te demandant ainsi la plénitude. Sois le Dieu qui remplit nos âmes, qui remplit nos cœurs, qui remplit nos esprits. Nous te demandons de nous revêtir de ta puissance, de ta gloire. Esprit de sagesse, l'esprit de sainteté, l'esprit de vie, remplis mon corps, remplis mon être, remplis mon esprit, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous te demandons de briser toutes sortes d'influences maléfiques, toutes sémences ne confessant point ta Seigneurie, mais remplis nos âmes, rêvez-nous de ta gloire, mais aussi de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, toujours dans le même élan, je te prie maintenant de bien vouloir demander à ce que Dieu dispose ton cœur, que ton cœur soit une terre fertile sur laquelle la bonne semence sera posée ou plantée. La bonne semence, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de remplir ton cœur, de les disposer à recevoir la bonne parole, que tu puisses bénéficier de ce moment d'exhortation, mais aussi ces temps de prière, que tu le fasses sous l'onction et la mouvance du Saint-Esprit. Demande à ce que Dieu dispose ton âme, ton cœur, et tu vas demander maintenant au Saint-Esprit d'utiliser puissamment son serviteur que je suis, de sorte que ce moment de prière te soit bénéfique, que ça ne soit pas un temps où tu fais comme
du bruit devant le trône de Dieu, que tu ne sois pas un tonneau vide qui fait trop de bruit. Mais quand tu prieras, que tu le fasses selon la volonté de Dieu, parce que tu te laisseras conduire par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut demander cela à Dieu, qu'il utilise puissamment son serviteur que je suis, mais qu'il dispose aussi ton entendement spirituel pour que tu reçoives la parole de Dieu, qui est la bonne semence, la semence de vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Nous te prions d'inonder nos âmes, nous te prions de nous remplir de ta puissance, de nous revêtir de ta gloire, de nous oindre d'huile. Que ton cœur, mon cœur, soit disposé, que ce soit une terre fertile où la parole de Dieu sera prêchée. Saint-Esprit de Dieu, inonde nos âmes, inonde nos cœurs et nos esprits, revêt-nous de ta gloire dans le nom de Jésus. Conduis-nous pendant ces moments de prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si vous me captez 5 sur 5 depuis la maison où vous êtes. Si vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais également voir vos réactions par des commentaires. Réagissez et rassurez-moi qu'effectivement, vous êtes là en train de nous capter 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse richement. Bien-aimés en Christ, nous allons prier en ce premier jour de la semaine. On va prier pour dire à Dieu que cette parole de l'Écriture prenne chair dans nos vies. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. On ouvre les Écritures dans les livres des Proverbes. Dans Proverbes chapitre 30, disons à partir du verset 18. Proverbes chapitre 30, disons à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, la Bible dit ceci. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre, on cite les choses en question. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, et puis il y a la trace du navire au milieu de la mer. La trace de l'homme chez la femme, chez la jeune fille. Verset 20. Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange et elle s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Verset 21. C'est là où on va beaucoup plus se baser. Trois choses font trembler la terre. Et il en est quatre qu'elle ne peut pas supporter. La terre ne supporte pas ces choses que nous allons bientôt énumérer, parmi lesquelles la phrase qui nous intéresse, l'esclave ne restera pas esclave. Verset 20. Un esclave qui vient à régner. La terre ne supportera pas qu'un esclave commence à régner. Un insensé qui est rassasié de pain. Tu as bien raison, mais attendu l'ipa. Ça dit que la personne qu'on insulte est idiot. Un enfant qui a été, n'est-ce pas, insulté tout le long de sa vie. Un idiot. Je bourrique. Un vaurien. Mais qui bénéficie de son pain. Et à se retrouver peine à vie. À comment on lit. À comment nous appelons un gagne-pain. La terre ne supporte pas cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une femme dédaignée qui se marie. Des personnes qu'on a marginalisées dans la vie. Celle-là, elle est moche. Elle est vilaine. Elle n'a même pas une bonne taille. Celle-là, vraiment, je ne sais pas si elle pourra se marier un jour. On te dédaigne. Celle-là qu'on a insultée, stérile. Est-ce qu'elle pourra même enfanter celle-là? Voilà qu'elle a, avance en âge, elle n'a même pas de fiancé. Voilà qu'elle est mariée, ça fait des années, elle n'a même pas d'enfant. Voyez-vous, des personnes qu'on a dédaignées comme ça. Et cette femme qui a été dédaignée, mais qui s'est mariée. Waouh! La Bible dit, la terre ne supporte pas ce genre de manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Verset 23.
une servante qui hérite de sa maîtresse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette lecture biblique? Toi qui me donnes un amen plus fort, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Je ne vois pas ton amen, je ne te vois pas réagir. Donne-moi un amen plus fort que ça, que l'Éternel des armées te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui sont en train de partager. Je vous recommande encore de multiplier les partages, d'inviter les frères, d'inviter les sœurs. Trois choses, mes frères. Trois choses. Trois choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, que la terre ne peut pas supporter. Il y en a même quatre. Bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi, sur cette belle mélodie, je vous reviens dans une minute. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On règle un petit problème technique ici avec nous. Je disais qu'il y a des choses que la terre ne supporte pas. Le jour où l'esclave commence à régner. Un esclave, c'est qui ? Un esclave, mes amis, c'est quelqu'un qu'on appelle un prisonnier. Un prisonnier tout court, c'est ça un esclave. Un esclave, c'est celui à qui on a réduit la marge de liberté. Quelqu'un qui subit, n'est-ce pas, les injonctions de ses maîtres. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui partagez, et vous qui invitez les autres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Un esclave, mes frères et sœurs, c'est celui-là, l'homme ou femme, qui est dépendant des autres, il n'est pas libre d'émettre un point de vue. Il ne fait que subir les injonctions de ceux qu'on appelle des maîtres. Un esclave n'est pas libre, bien-aimés seigneurs, d'émettre un point de vue ou de décider sur son sort. C'est celui-là un esclave. Un esclave peut avoir envie de manger. Mais quand le maître dit tu ne manges pas, il ne mange pas non plus. Un esclave est à la merci de ceux qui le gouvernent, de ses maîtres. Beaucoup sont soit des esclaves spirituellement, d'autres le sont même physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible nous montre que la terre ne supporte pas. Quand on dit qu'il y a tremblement de terre, c'est-à-dire que la terre est agitée le jour où l'esclave quitte sa position ou bien son statut d'esclave pour devenir le maître de sa vie.
Quand l'esclave devient libre, la terre ne supporte pas cela. Mais je viens t'annoncer que la terre l'accepte ou pas, si tu as été esclave quelque part, notre Dieu dans son plan, il est venu pour rendre libre ces genres de personnes qui étaient limitées par rapport aux moyens, limitées par rapport à l'espace, limitées par rapport aux aspects spirituels, tout comme dans les finances. Que le Dieu Tout-Puissant localise tout enfant des dieux, tout fils et toute fille des dieux qui s'est retrouvé comme esclave quelque part afin de les rendre libres. Jésus-Christ dit, je suis venu dans ce monde pour rendre libres les opprimés, rendre libres ceux qui sont restreints au niveau de leur liberté. Ils ne peuvent pas faire, n'est-ce pas, ce que bon leur semble. Ils ne peuvent pas jouir de leur vie comme tout le monde. Ils ne peuvent pas se marier comme tout le monde. Ils ne peuvent pas réussir dans la vie comme tout le monde. Ils ne peuvent pas enfanter comme tout le monde. Ils ne peuvent pas émerger comme tout le monde. Mais ils sont limités par des personnes qui ont fait d'eux ou d'elles des esclaves. Jésus-Christ est venu également pour vous et nous allons lui demander d'accomplir cette action ou cette mission de libérateur des esclaves. Il dit, l'onction de Dieu est sur moi car il m'a oint pour rendre libres les opprimés et libérer les captifs. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent encore, n'est-ce pas, sous l'influence d'un soi-disant esprit, sous l'influence des soi-disant puissance maléfique, l'empêchant ainsi de jouir de sa liberté dans un domaine tout comme dans un autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, tu me donnes un amen. Très bien que j'avance avec mon exhortation afin que nous prions selon la volonté du Seigneur. Recevez la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la Bible dit tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Dans la vie, il y a des personnes qui n'accepteront jamais de te voir réussir. Quelles sont ces personnes-là? Ce sont des gens qui t'ont vu en difficulté. Beaucoup de personnes, je ne dis pas tous, mais il y a des personnes qui t'ont aidé pendant longtemps dans la vie. C'est-à-dire que quand on parle de on cite ton nom, directement dans sa tête, il a l'image d'une personne misérable. Parce que pendant longtemps, il t'a soutenu. Pour manger, il fallait que lui intervienne. Pour que tu étudies, il faut que lui paye les frais scolaires. Même le voyage que tu as effectué, c'est lui qui a payé le billet. Le loyer, c'est lui qui payait. Les enfants ne peuvent pas fréquenter si lui n'a pas envoyé l'argent. Et mes amis, il y a des personnes dans ce monde qui veulent voir les autres rester comme ça pour toujours. C'est-à-dire que quand il vous soutient, il se sent à l'aise. Et il veut vous voir à tout prix rester comme ça. C'est également une sorte de servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens qui veulent vous voir être sous leur tutelle. Des personnes qui vous soutiennent mais qui ne veulent pas vous voir réussir. Et vous êtes en bonne relation avec elles aussi longtemps que vous êtes malheureux. Là, ça marche. Là, elles peuvent vous voir et vous saluer avec gentillesse. Comment? Ça va à la maison? Et les enfants, et madame, et ton mari, se porte bien. Là, il vous parle avec gentillesse. Mais il ne supporte pas te voir aussi réussir. Le jour où la personne qui t'a donné l'argent pour payer les transports, tu allais lui rendre visite, tu dis, j'ai pas l'argent pour payer les trains, le métro, etc. Bien aimé Seigneur, il t'a donné facilement, il était gentil. Tu l'appelles au téléphone, vous causez bien. Mais le jour où il te voit, tu vas lui rendre visite. Messieurs, dames et les enfants, en bonne santé, bien véhiculés et une voiture propre et présentable. C'est toi-même qui es au volant. Bien-aimé Seigneur, le cœur est troublé. C'est ce que la Bible nous dit là-bas. La terre ne supportera pas que l'esclave commence aussi à vivre paisiblement. Aujourd'hui, nous sommes venus pour prier et dire à Dieu, Seigneur, nous ne devons pas demeurer en train de vivre sous les caprices de la terre.
La terre ne nous enterrera pas pour toujours. La terre ne nous retiendra pas pour toujours. La terre et la méchanceté des hommes de la terre ne doivent pas te retenir pour toujours, sous sa tutelle, sous sa domination, sous son règne et son influence. Ah, que Dieu te bénisse, toi qui me donnes un amen plus fort, pendant que tu dis amen, que l'Éternel notre Dieu honore ta foi. Je déclare encore que le Dieu que je sers honore ta foi, toi qui me réponds plus fort en disant amen, que Dieu te localise. Il te voit, bien-aimé Seigneur, célibataire. Tu peux venir faire même 3 tours, 4 tours par jour à la maison. Yaya, j'ai faim. Donne-moi la nourriture. Il te donne avec gentillesse. Yaya, tu peux me donner encore, je vais amener à la maison. Je n'ai personne pour me préparer. Je vais garder ça comme une provision. Tu vois ce que tu me donnes là, ça sera la provision des 3 jours. Bien-aimé Seigneur, la personne te donne avec joie. Elle est contente de te voir comme ça. Là, tu es son petit frère. Là, tu es sa petite soeur. Là, tu es vraiment un ami bien. Mais le jour où tu reviens, Dieu t'a visité, tu as un travail. Dieu t'a visité avec une fiancée. Et tu viens lui remettre la carte de mariage. Déjà, des jours de ton mariage, la personne ne vient pas. Infraction. La personne commence à te créer des problèmes. Et cherche à te diaboliser. C'est quoi? La terre ne supporte pas que l'esclave commence aussi à régner. Ah, que quelqu'un lève sa voix pour dire, Éternel Dieu regarde la méchanceté humaine et viens à mon secours. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, ce matin, le long de cette semaine, je te prie de venir à mon secours en regardant la méchanceté de la terre qui ne veut pas me laisser émerger, qui ne veut pas me laisser m'effrayer un chemin, qui ne veut pas me laisser réussir. Ils veulent que je sois toujours derrière eux, que je sois toujours sous leurs pieds, que je dépende toujours d'eux. Ils ne veulent pas me voir, me lever et faire des avancées dans la vie. Seigneur, j'ai besoin de toi, le Dieu qui vient au secours des esclaves. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de phénomène dans sa vie ou qui est en train de le vivre maintenant. Je viens te dire que la terre le veuille ou pas, l'esclave va régner. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui en a décidé ainsi. Demande à Dieu, Père éternel, localise-moi aussi. Quand tu te lèves le long de cette semaine, pour rendre libres les opprimés, pour faire marcher et ceux dont les estropiés, les paralytiques, ceux dont le monde éternel avait bousillé les jambes. Seigneur, que tu te lèves pour me faire marcher aussi. Que tu te lèves pour me faire propulser aussi. Que tu te lèves pour me faire épanouir aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux élever ta voix maintenant pour dire à Dieu, toi le Dieu dont les regards sont fixés sur les esclaves, localise-moi. Toi, le Dieu dont les regards sont fixés vers des personnes dont les libertés sont restreintes. On ne veut pas les voir épanouir. On ne veut pas les voir émerger. Seigneur, que tes regards me localisent aussi. Élève ta voix maintenant. Nous allons prier. Ce n'est pas une émission de prédication. Ce n'est pas une émission d'enseignement. Mais nous posons le fondement pour que tu pries à la lumière de la parole de Dieu. Commence à prier, demande à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, localise-moi aussi. Si tu te retrouves esclave dans un domaine où les gens ne veulent pas te voir réussir, ne veulent pas te voir émerger, ils sont amis avec toi parce que tu es en difficulté. Là, ils te parlent avec un bon langage, mais le jour où tu veux t'épanouir, tu regardes la méchanceté des hommes, comprends que tu as besoin. Que le Dieu qui rend libre les opprimés, le Dieu qui a reçu l'onction, Jésus-Christ qui a reçu l'onction pour rendre libre les opprimés, dis-lui qu'il te localise aussi. Est-ce qu'on peut élever sa voix et commencer à prier? Élève ta voix maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Prions au nom du Seigneur. Éternel et Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël. Ma sœur, prie. Mon frère, élève ta voix. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu très haut, le Dieu de la Bible, nous t'invoquons maintenant. La prière élevée de mon cœur, que tu t'élèves dans la vie d'un frère, que tu t'élèves dans la vie d'une sœur. Toute personne qui élève sa voix maintenant pour rechercher ta face, je te prie, ô Dieu d'Abraham, de bien vouloir localiser chacun de tes enfants qui sont en train de subir l'influence de la résistance de la terre. La terre qui ne veut pas voir les esclaves régner.
Dieu Tout-Puissant, nous te prions cette nuit de localiser chaque âme, chacune des âmes, chacun des fils et chacune des filles de Dieu qui sait, qui veulent émerger, qui veulent réussir, qui veulent impacter leur génération, mais qui se retrouvent sous la tutelle de la méchanceté humaine, de la méchanceté des hommes de la terre, qui ne veulent pas les voir émerger, qui veulent les voir échouer, qui veulent les voir souffrir, qui veulent les voir malheureux. Tendre Père, nous te prions de t'élever maintenant comme le Dieu suprême, le chef de la terre et des cieux, le Dieu qui décide en haut et en bas. C'est toi qui as le dernier mot. Nous t'invoquons. Localise chacun de tes fils, localise chacune de tes filles et fais quelque chose en leur faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous t'invoquons. Mon frère, prie. Ma soeur, élève ta voix et prie. Dis à Dieu d'agir. Dis à Dieu d'agir. Dans le nom de Jésus, Papa, localise quelqu'un, localise ton fils, localise ta fille qui s'élève maintenant pour prier et rechercher ta face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, mon frère, toi qui nous rejoins. Que Dieu te bénisse, ma soeur, toi qui nous rejoins. Partagez, 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 partagez. Envoyez les liens à quelqu'un qui vous est cher. Multiplie le partage. Que Dieu te bénisse. Je déclare et je prophétise sur toi. La Bible dit, Dieu honore les paroles de ses serviteurs, mais aussi les prédictions de ses envoyés. Je suis en train de prophétiser, de déclarer que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, te localise et qu'il te pointe de son doigt. Si tu étais dans une famille où cette attitude de la terre, quand on dit la terre, ce n'est pas la terre physique, c'est les hommes qui vivent sur la terre. Si tu es dans une famille où les gens ne veulent pas voir les autres émerger, que le doigt de Dieu te localise là où tu es. Si tu es dans un quartier où les autres ne veulent pas aller voir les gens émerger, je déclare et je prie que le doigt du Dieu très haut te localise pendant que tu me donnes un amen. Je dis bien que Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Pendant que tu me donnes un amen très fort, que le Dieu que je prêche te localise et qu'il fasse quelque chose en ta faveur. Qu'il te sorte du carcan et qu'il te sorte de troubles. Qu'il te sorte, bien mes seigneurs, de cette prison maléfique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu me donnes un amen très bien. Que le doigt de Dieu te localise. Le Dieu des esclaves, pendant que eux méditent de te voir comme ça, coupir tous les jours, crever de faim, pleurer, murmurer, il y a un Dieu quelque part qui gémit au-dedans de lui. Il veut te voir sortir du carcan, sortir de la prison, sortir des condamnations, sortir des lois établies, sortir des liens. Je déclare et je prophétise que le Dieu Tout-Puissant entende les cris d'un esclave dans une famille, un esclave dans un lieu de travail. Bien, mais ça peut être au bureau, ça peut être un lieu de travail. Les gens ne veulent pas te voir passer de niveau, être propulsé plus haut. Ils veulent te voir toujours à la même case de départ. Que ce soit dans le ministère, homme de Dieu, que toute personne qui ne veut pas te voir sortir du lot, ils veulent te voir limité quelque part. Je prie que le doigt de Dieu te localise et que le Dieu qui se souvient des esclaves s'impose. J'annonce à quelqu'un que le Dieu Tout-Puissant s'impose dans ta vie. Malgré la résistance de la terre, il y aura ce qu'on appelle par l'opération tremblement des terres. Dieu va imposer, il est en train de le faire déjà, dans la vie de quiconque prie de tout cœur. Si tu fais cette prière de tout cœur, tu vas vivre cette semaine ce qu'on appelle par la puissance tremblement des terres. La puissance de tremblement des terres. Dieu va faire trembler la terre. C'est-à-dire que la terre refuse, mais Dieu s'effraie un chemin. Je prophétise sur quelqu'un que le chemin commence à s'effrayer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait des limites, il y avait des restrictions, il y avait des lois établies. Que Dieu libère la puissance, que ce soit sous forme de tonnerre. Mabele banako ningana. Mabele banako tremble. Nzele banako monana. Qu'un chemin soit effrayé. Déjà à partir de ce lundi, que Dieu Tout-Puissant effraie un chemin dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba katara makambu. Nzenga mambu.
Je vois Dieu effrayer un chemin. Et alors que l'érosion est au banda. Tika érosion mon limo et banda na vinayo. Érosion mon limo et salima na famille. Que le trouble qu'on appelle le tremblement de terre commence à s'opérer dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ton quartier. Si la terre, n'est-ce pas, qui ne t'est pas favorable, c'est au niveau de ton quartier. Je déclare et je prophétise maintenant que l'opération tremblement de terre commence dans ta vie. Pourquoi l'opération tremblement? C'est parce qu'il y a résistance. Il y a le col à mur, et ça, les bossons, il y a le col à barrière. Et quand de l'eau doit passer, l'eau s'effraie un chemin en faisant quoi? En faisant des fissures. Tu vas voir une sorte de fente qui s'est produite au niveau du mur. C'est-à-dire que l'eau est bloquée. L'eau ne peut pas passer. Mais maintenant, l'eau s'effraie de force un chemin. Les eaux s'effraient un chemin par force. C'est au fait cela qu'on appelle ici par l'opération tremblement des terres. Comme la terre ne supporte pas ta gloire, comme la terre ne supporte pas ton mariage, comme la terre ne veut pas supporter ton témoignage, la terre ne veut pas supporter que tu avances dans la vie, alors Dieu va maintenant imposer à la terre qu'il puisse libérer ton chemin à travers l'opération tremblement des terres. Est-ce que quelqu'un peut dire opération tremblement des terres? Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écrit ça. Vous savez que notre politique ici, c'est la parole et l'écriture. Que Dieu te bénisse, toi qui me dis tremblement, tremblement de terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui l'écrivez. Que vous, Dieu vous bénisse, vous qui les confessez. Que Dieu vous arrose. Sois béni, papa. Sois béni, maman. Toi qui confesses cela. Et je déclare au nom de Jésus en tant que prophète de Dieu, qu'il te soit fait selon ta foi. Tel que tu es en train de l'écrire. Tel que tu es en train de les confesser, que le Dieu Tout-Puissant te localise et qu'il effraie un chemin déjà le long de la semaine qui commence. Le jour où l'esclave commence à régner, et j'annonce au nom de Jésus qu'un esclave commence à régner aujourd'hui. Sois béni maman, sois béni papa, sois béni jeune sœur, jeune frère, toi qui me l'écris, que Dieu commence l'opération dans ta vie. Aimé dans le Seigneur, il y a des personnes, quand tu n'avais rien, elles t'admirent, elles t'apprécient. Mais aujourd'hui que Dieu t'a visité avec un mariage, Dieu t'a visité avec un mari, avec un travail, avec une activité, Dieu t'a ouvert une petite porte, tu n'as pas insulté. Bien aimé, la personne se prend, se donne le luxe de se promener partout en propageant une mauvaise réputation, en t'accusant faussement, en te traitant d'orgueilleux, en te traitant d'impoli, en te traitant de menteur, en te traitant des fois de féticheur. Pourquoi? Tout simplement à cause de la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. C'est ça la terre. Il y a des gens qui vous aiment quand vous êtes malheureux, qui ne veulent pas vous voir émerger. Alors toi qui es déjà dans le lot, on te traite déjà de la sorte, je viens te demander une chose, garde ton calme, garde ton silence, que l'Éternel combatte pour toi. Mais toi qui es encore en train de te battre et que Dieu commence à t'ouvrir des petites ouvertures, attends-toi déjà. Que beaucoup de gens qui étaient amis avec toi hier, demain, ne soient pas surpris de voir qu'ils changent d'humeur. J'ai souvent rencontré des personnes qui se plaignent de ça. Papa, je n'ai rien fait à ce frère, je n'ai rien fait à ce papa. Le membre de ma famille, je ne lui ai rien fait, mais il me déteste moi comme ça, pour rien. Ma soeur et mon frère ne te fait pas trop de soucis. C'est la parole de Dieu. La terre tremble, il y a agitation, il y a trouble. Quand certaines personnes commencent à régner, il y a des gens qui sont dérangés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans les Saintes Écritures, on a vu cela.
La Bible dit dans une synagogue, il y avait une femme qui a été pendant plus de 18 ans handicapée. Elle avait un dos courbé. Un dos courbé, mes amis. Pendant plusieurs années, elle allait à l'église. Elle pouvait se dire que mon pasteur là-bas a pitié de moi quand elle me voit entrer dans l'église avec un dos courbé. Pourquoi moi je ne peux pas me redresser comme tout le monde? Pourquoi moi je ne peux pas avoir un travail comme tout le monde? Pourquoi moi je ne peux pas me marier et être en paix dans mon foyer comme tout le monde? Pourquoi moi je ne peux pas avoir des enfants comme tout le monde? Pourquoi moi je ne peux pas voyager comme tout le monde? Pourquoi mes enfants ne peuvent pas être intelligents comme les enfants des autres? Pourquoi on ne peut pas vivre en paix pendant un mois sans pour autant tomber malade, toujours malade, malade, malade? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas chez nous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette situation est restée comme ça pendant 18 ans. Ma soeur et mon frère, partagez encore. Permettez à quelqu'un d'être connecté. Vous venez nous rejoindre. Vous avez reçu le lien, une notification. Un tel a partagé dans tel groupe, tu as été notifié. C'est-à-dire que toi aussi, tu peux le faire pour que quelqu'un d'autre soit notifié. Partage et envoie le lien à quelqu'un qui t'est cher. Multiplie les partages, multiplie les partages, multiplie les partages. Mes amis, je vous dis que le monsieur avait, plutôt la demoiselle avait un dos courbé. Elle venait au temple, on la voyait de temps à autre. Elle venait au temple, on la voyait de temps à autre. Elle pouvait dire que, ah, miso pasteur, atale la ranga. Les amis, sur Amawa, le pasteur a pitié de moi, vraiment. Si ça ne dépendait que de lui, il aurait pu peut-être redresser mon dos. Bien-aimé! Faites attention aux personnes qui des fois font le pitié. C'est comme si elles se préoccupaient de votre malheur. Oh, qui a dit vraiment? Dans la plupart des cas, c'est pas ceux qui nous montrent l'apparence d'avoir pitié de nous qui nous aiment. Elle était peut-être la fille chérie de l'homme de Dieu. Oh, ma soeur Intel. Que Dieu te bénisse. Ah, la sœur là, vraiment, elle est déterminée, elle est zélée, malgré sa situation difficile. Elle est fidèle au culte, elle est chat, elle chante tous les jours, elle est présente dans le service des protocoles. Elle est vraiment dévouée aux choses de Dieu. Peut-être que l'homme de Dieu donnait des exemples chaque fois. Regardez ma sœur, un tel, vraiment. Que Dieu se souvienne d'elle. Ok. Ils sont contents de la voir comme ça. Il y a des personnes qui sont habituées de te voir souffrir. Mais apparemment, c'est comme si elle vous aimait. La Bible dit, le Dieu qui m'envoie avec ce message et cette séance de prière aujourd'hui, dans tant de prières agressives, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Du haut de son trône, Dieu a vu. Il y a l'une de mes filles. Bien aimé, ça peut être normal que ceux qui ne sont pas fils de Dieu puissent demeurer comme ça. Mais il y a des choses qui sont anormales. Des choses qui ne sont pas normales qu'un enfant de Dieu puisse demeurer comme ça pour toujours dans sa vie. C'est comme Jérémie qui traversa des moments difficiles. Il regarde, il voit que ce n'est pas compatible à un fils de Dieu, à une fille de Dieu. Et comme il s'est plaigné de ça, Dieu du haut de son trône a vu cela. Il dit à Jérémie, je connais les projets, ta vie, la vie, la destinée que je planifiais pour toi. Ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où les fils et les filles de Dieu peuvent vivre sous l'influence des ténèbres, l'influence des méchants, l'influence des agents du monde des ténèbres. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alors Dieu ayant vu que l'enfant était sous la terre, Batouba Nyati, Ozana Senabango, Batouba écrasé, tu es dans le fief de la mer de la méchanceté. Mon frère et ma soeur, la Bible dit, Jésus-Christ fit son entrée dans la synagogue. Comme ce matin, Jésus-Christ est en train de faire sa rentrée dans une maison. Jésus-Christ est en train de faire sa rentrée dans un temple. À travers cette émission, tant de prières agressives, Jésus-Christ est entré déjà dans le temple, dans la synagogue, pour localiser quelqu'un qui est sous l'influence de la méchanceté des hommes de la terre. La terre supporte de voir souffrir, mais elle ne supporte pas de voir joyeux. Et changer de standing de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que
Ils peuvent retenir les fils de la rébellion. Ils peuvent retenir pendant longtemps les païens. Mais quant aux fils et aux filles de Dieu, on ne pourra les retenir que pour un temps. J'annonce encore à quelqu'un, c'est juste pour un temps qu'ils peuvent te retenir dans cette situation-là. Pas pour toujours. L'esclave ne restera pas esclave. Quand Jésus-Christ rentre, il regarde tout le monde. Tout le monde avait un dos normal. Il regarde quelqu'un là-bas qui a une malformation. Mais ce n'est pas n'importe qui. Mais c'est ma fille, un tel. Comment? Elle a quel âge? À peine 47, 48. Oh! Il regarde encore là-bas. Celle-là, c'est qui? Stérile. Jusqu'à cet âge-là. On l'appelle comment? On l'appelle un tel. Regarde l'autre là-bas. Il est au chômage. Mais comment ça? Tout le monde travaille sauf lui. Regarde l'autre là-bas. Il commence à tendre vers une soixantaine. Il n'a même pas un terrain au pays. Oh. Mais ça fait des années qu'il est là-bas en Occident. Mais les gens se retrouvent quand même. Même ceux qui viennent à peine d'arriver, ils ont déjà des parcelles, ils construisent, ils ont déjà bâti, ils construisent des maisons. Qu'est-ce qui fait que le monsieur reste comme il est là? Qu'est-ce qui fait que cette femme reste dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que ses enfants font du surplace par rapport au baccalauréat? Ils ont du mal à s'attraper, ne fût-ce qu'un premier diplôme de la vie. La Bible regarde, Jésus-Christ regarde plutôt, il voit cet enfant, cette femme, et il prend la résolution de redresser son dos. C'est ce qu'on appelle pas l'esclave ne restera pas esclave. Aujourd'hui, nous allons dire à Jésus, Seigneur, prends une décision sur ma situation. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut dire aussi à quelqu'un, redresse-toi. Que ce qui a été courbé dans ta vie soit redressé par la puissance de la déclaration de Jésus. Que Jésus-Christ ordonne à ton dos de se redresser aussi. Quel est le domaine de ta vie où tu as été comme imposé comme ça à demeurer pauvre, malheureux, misérable, malade, limité, borné, stressé tous les jours? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, du haut de ton trône, localise-moi et ordonne à ce que je sois redressé. Bien-aimé, pourquoi Dieu ordonne? C'est parce que il y a des situations qui ont pour origine les mains d'hommes. C'est pourquoi les disciples ont vu Jésus-Christ qui était à côté d'eux, mais ils ont aperçu un enfant, un garçon malade, qui s'est jeté dans le feu et qui s'est blessé tout le corps. Et ils avaient eu pitié de lui. Ils ont posé la question à Jésus. Maître, dis-nous un peu. Tu nous as toujours parlé des causes des souffrances, des causes des maladies. Mais quant à ce jeune garçon, qui est derrière sa situation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ reconnaissait aussi qu'il y a des souffrances, il y a des situations malheureuses, il y a des difficultés que certaines personnes traversent sur cette terre qui ne sont pas dans le plan de Dieu, mais qui ne sont que la méchanceté humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui ne sont que de fabrication des mains d'hommes. La terre a résolu de te faire vivre un calvaire. De limiter ta vie, de limiter tes voies, de te barrer des routes. Jésus va répondre en disant, pour ce cas, ce n'est ni la personne qui a péché, ni ses parents. C'est-à-dire qu'il y a des causes derrière des situations, derrière des maladies. Et maintenant, quant à cet enfant, cette femme qui avait un dos courbé, il y avait une cause spirituelle. C'était quoi? La présence de la prison spirituelle. C'est-à-dire que la terre avait imposé à cette femme de demeurer comme ça avec un dos courbé. Le diable, le monde des ténèbres, l'a retenue captive. Donc, comme c'est une femme, l'a retenue captive.
elle est restée comme ça, comme esclave. Je ne sais pas ta situation, si elle est montée de toutes pièces par les hommes. Je ne sais pas s'il y a des gens, que ce soit dans le spirituel, tout comme dans le physique, se sont décidés de te retirer, de t'empêcher de réussir, de t'empêcher de vivre heureux, de t'empêcher d'émerger dans la vie. Et ce jour-là, Jésus-Christ avait décidé de faire trembler la terre. Qu'il le veuille ou pas, écoutez, c'était le jour du sabbat. Le jour, on a dit qu'en ce jour, rien ne peut s'opérer. Mais Jésus-Christ a opéré. Je vous annonce les dieux qui créent les troubles. S'il faut créer les troubles et les désordres, s'il faut détruire des choses pour apporter la solution à ces brebis, il l'accepte. Il dit, pour vous, je donnerai des nations. Je prêche un Dieu qui est capable de détoler, de détruire la construction d'un soi-disant propriétaire de maison pour communiquer la guérison à son fils. Là, je me souviens de ces malades qui étaient dans les commas. Mais les gardes malades ont vu Jésus dans une maison en train de prêcher. Ils ont décidé d'escalader les murs et de bousiller la toiture, de faire descendre leur frère malade et de le présenter à Jésus. Jésus les a soutenus. Jésus les a encouragés pour dire, je n'ai jamais vu une si grande foi. J'annonce à quelqu'un à travers la prière de ce matin, si des personnes qui ne veulent pas te voir émerger peuvent rencontrer Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il s'élève ce matin dans la dimension de destruction des toitures. Si c'est une toiture qui t'empêche de rencontrer le Seigneur, de palper ta gloire, que la toiture soit bousillée. Si c'est une personne qui s'élève pour te barrer la route, l'opération tremblement de terre fera que la personne s'éclate, qu'elle s'expose parce que la puissance de Dieu sous la forme des tonnerres et qu'au panza montagnoso au azali qu'on s'est levé comme barrière. Qui es-tu, montagne, devant Zoro, Babel, tu seras aplani. Daigne le Dieu Tout-Puissant se révéler dans la vie de quelqu'un. S'il y a des gens qui t'abarrent la route, qui ne veulent pas te voir émerger, que la puissance du tremblement, la puissance par laquelle Dieu fait trembler la terre, commence à opérer. Pendant que je déclare, commence à claquer tes mains. Tu dis à Dieu que cette puissance qui fait trembler la terre, le jour où l'esclave, pour que l'esclave puisse régner, que cette puissance me localise, que le tremblement de terre s'opère sur ma route. Seigneur, le long de cette semaine, que tout homme, toute femme qui s'élèverait devant moi pour m'empêcher de percer, Seigneur, que la puissance du tremblement de terre puisse la localiser, que la puissance du tonnerre puisse les bousiller. Bandako déclarer Makambwana, déclare cela de tout cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, commence par déclarer, déclare, que la puissance de Dieu commence à localiser, que la puissance du Très-Haut commence à localiser tout homme et toute femme qui prie de tout cœur maintenant, comme que tu es en train de déclarer, que la puissance des tremblements commence à opérer. Tous ceux qui veulent te barrer la route, qu'ils soient contraints par la puissance de Dieu, sous l'influence du tremblement des terres, que les murs tombent. Si ce sont des murs, que ça s'écroule. Si c'est un homme qui soit secoué et que la puissance de Dieu le déplace, qu'il libère le chemin de ta vie. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Éternel et Dieu Tout-Puissant, nous te prions maintenant de nous faire contempler la puissance du tremblement. Que ta puissance commence à bousiller toute personne, tout objet, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit un homme, une femme, qui ne veut pas voir tes enfants sortir du lot, des blocages, sortir de la souffrance, sortir du chaos. Seigneur, que la puissance du tremblement effraie un chemin. Seigneur, débrouille-toi pour effrayer un chemin. Si c'est un rocher, Seigneur, c'est toi qui es capable de bousiller le rocher. Voilà que le rocher avait libéré l'eau à l'époque de Moïse. Je te prie maintenant, Seigneur, toi le Dieu qui est capable de libérer de l'eau même dans le rocher. Toi qui es capable de faire trembler la terre et de sortir l'esclave qui était écrasé, qui était piétiné, qui était manipulé. Que tous ceux qui ont dominé pendant des jours, des mois, des années, des semaines sur tes enfants, je déclare au nom de Jésus qu'il libère les vies, qu'il libère les captifs, que les captifs soient libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, que Dieu vous bénisse, vous qui priez bien. Nous sommes dans une émission de prière. J'ai dit que Dieu vous bénisse, vous qui priez de tout cœur, et que Dieu honore votre foi. Je déclare que le Dieu Tout-Puissant honore votre foi,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez encore. Partagez. Envoyez les liens à quelqu'un. Gloire au Seigneur. Écoutez les propos de Jésus. Jésus va ordonner à cette femme, redresse ton dos. Il n'a pas tenu compte du jour, c'était le sabbat. La Bible dit cette femme s'est redressée. Et les gens, la terre qui n'a pas supporté l'opération tremblement des terres, les jours où l'esclave sort, la terre vient pour faire trembler Jésus. L'esclave est sorti de sa servitude. Quelqu'un est sorti de sa pauvreté, quelqu'un est sorti du célibat, quelqu'un est sorti de la maladie, quelqu'un est sorti du coma, quelqu'un est sorti de la stérilité. Il y a des gens qui s'élèvent pour lui empêcher. Je parle à quelqu'un. Dieu t'a visité, tu es grosse. Que tout mari de nuit qui viendra pour réclamer cette grossesse. Dieu t'a visité, tu es marié. Toute personne qui viendra pour réclamer ce mariage. Dieu t'a visité, tu as un travail. Que tout homme se lèvera pour combattre le travail qu'il rencontre Jésus. La Bible dit, les principaux sacrificateurs. Nous avons rendu mouton, nous avons rendu mouton à yo. Nous avons rendu yé ennemi à vina yo. La personne que tu pensais te soutenir. Or, c'est la même personne qui est même dans la joie quand tu pleures et quand tu gémis. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en difficulté. Les gens qui venaient manger à sa table tous les jours. Les amis qui venaient prêcher, faire des séminaires dans ton église, quand tu es en difficulté aujourd'hui, personne n'ouvre sa bouche pour parler. Tu pensais que c'était des amis, or c'était des profiteurs. Certaines mêmes personnes qui parlent pour te défendre, c'est des gens que tu n'as même pas côtoyés. Des fois, peut-être des gens que tu détestais, mais ils ont le fardeau. C'est ça la vie. Je ne sais pas si cette fille était là. Monter au débat, la concernait, la maman là. Je ne sais pas si elle était présente lorsqu'il y avait débat entre Jésus-Christ et le principal sacrificateur. Mais le principal sacrificateur là, c'est qui? C'est le pasteur de la femme qui avait les deux courbés. 18 ans de souffrance. Et Dieu te délivre. Quelqu'un s'élève pour s'opposer parce que c'est le sabbat. Maman. La terre ne supportera pas que l'esclave commence à régner. J'annonce à quelqu'un, il y a des personnes qui ne vont pas accepter. Et on assiste à cela. Aujourd'hui, tu es encore en crise. Les gens disent que oui, c'est un homme de Dieu vrai. Non, pasteur Kalala, je le connais. Parce qu'il t'a vu, tu marches à pied. Parce qu'il t'a vu, tu marches, tu es sale. Parce qu'il t'a vu, tu n'as pas de moyens. Parce qu'il t'a vu, tu n'as pas d'impact. Parce qu'il t'a vu, tu es en train de souffrir. Tu es malheureux. Le jour où on te voit rouler chaos, pasteur Kalala achète un jet privé. Parce qu'elle présente ses millions dans les comptes. Bien-aimé dans le Seigneur. À partir de ce jour-là, tu vas voir les principaux sacrificateurs. C'est-à-dire que la nature de la terre se manifester. Il y a de ceux-là qui vont t'appeler. Il a touché au fétiche. C'est un occultiste. Il est dans des sciences occultes. Il y a d'autres qui vont s'élever pour dire non, c'est un escroc, un frappeur de monnaie. D'autres vont présenter. Je vous dis, on va présenter beaucoup de choses. Même de personnes que tu croyais. Tu pensais croire en toi. La maman là pouvait s'étonner. Je parle à quelqu'un, ne sois pas étonné d'entendre ce genre de propos le jour où Dieu te visitera. Et j'annonce à quelqu'un que le jour de ta visitation n'est plus loin. Ne sois pas surpris d'entendre ça. Elle regarde comme ça, elle entend une voix. Elle se dit, mais ça c'est la voix. On dirait que c'est la voix de mon pasteur. Mais c'est le principal sacrificateur qui parle là. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Bien aimé, un débat houleux entre le pasteur, le principal sacrificateur, la personne qui était censée protéger cette femme. Mais il s'oppose à qui? À Jésus. Pourquoi? Parce que la femme a été guérie de sa maladie. Jésus a redressé son dos. Maman. Donc, nous avons dit que 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 nous avons dit
Donc la personne qui ne veut pas te voir être joyeuse dans la vie, c'est justement ton père. Quelqu'un censé te protéger. C'est ton grand frère. Je parle à quelqu'un, mes frères et sœurs. Il y a des personnes avec qui vous avez vécu longtemps, 18 ans durant. Pendant que je pleurais, donc toi tu étais dans la joie de me voir comme ça, pouvant pas me redresser comme tout le monde. Est-ce que ce message est adressé à une personne qui me suit? Comment toi, mon pasteur, tu peux t'opposer à ça? Comment toi, mon frère, tu peux t'opposer à ma réussite? Comment toi, ma grande sœur, tu peux t'opposer à mon mariage? Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des personnes qui s'élèvent en opposition comme opposants, qui ne veulent pas te voir réussir. Mais malheureusement, c'est des personnes dont tu ne pouvais pas avoir l'idée. Mais cette maman était surprise. Je dis bien surprise. Je parle à quelqu'un. C'est ton ami Makopala qui sera la première personne à critiquer ton voile le jour de ton mariage. Ah, voilà, on les a bien été. Non, soni ni mouté, maman B. Quelqu'un qui veut te voir seulement faire la vie. Quand vous montiez, vous descendiez dans la vie des boîtes de nuit, dans l'ambiance, là c'est bien. Là, tu es une amie digne de ce nom. Là, même si tu as porté des habits déchirés, il n'y a pas de souci. Il va t'apporter des beaux habits. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qui? Ah, mais c'est la voix du principal sacrificateur. Donc, il est mécontent de voir Jésus-Christ redresser mon dos. Eh, maman, la terre ne supporte pas les jours où l'esclave commence à régner. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que la terre le veuille ou pas, quand Jésus s'est décidé, il s'est décidé. Et cette femme, ce n'est pas elle qui a défendu la cause. Ce n'est pas elle qui a défendu sa guérison. Ce n'était pas elle qui avait défendu son miracle. Mais il y a un avocat. La Bible dit, notre avocat auprès du Père, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus s'élève aussi pour défendre ton dossier. Chaque fois que tu veux, Dieu veut t'élever. Et que quelqu'un s'élève pour dire, moi je suis le chef de famille. Ici, c'est la loi établie. Personne ne peut se marier. Personne ne peut enfanter. Personne ne peut émerger. Personne ne peut vivre longtemps qu'il croise le chef de l'armée de l'Éternel, qu'il croise Jésus-Christ de Nazareth, qu'il s'élève et qu'il hausse le ton, comme il s'éleva ce jour-là dans la vie du paralytique, plutôt de cette femme au dos courbé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le propriétaire de ce message est là, qui me donne un amen plus fort et que le Dieu Tout-Puissant honore ta foi. Je déclare et je prophétise que toute personne le long de cette semaine qui se lèverait pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de foncer, pour t'empêcher d'avoir ce à quoi tu aspires, que ce soit le travail, que ce soit de l'argent, que ce soit ta santé, ta vie, vive ta vie paisible sur cette terre, qu'elle croise Jésus-Christ comme l'avocat. Que Dieu élève sa voix, que Jésus-Christ hausse les tons et qu'il parle aux principaux sacrificateurs qui ne veulent pas te voir redresser ton dos. Ceux qui veulent te voir toujours, 18 ans, ce n'était pas suffisant pour que tu redresses ton dos. Ils pensent que tu as encore besoin de demeurer pendant plus de 18 ans sous cette position-là. Je déclare qu'il croise le chef de l'armée de l'Éternel, notre avocat auprès du Père. Est-ce que tu peux invoquer ton avocat? Est-ce qu'il peut lui dire, Seigneur, le long de cette semaine, lève-toi comme mon avocat. Partout, les gens voudront me clouer. Ils voudront me maintenir dans la position à genoux. Ils voudraient me maintenir malade. Ils devaient me maintenir célibataire, endurci, stérile, limité. Quelqu'un qui est appelé à pleurer tous les jours. Seigneur, que tu élèves ta voix, que tu hausses les tons, comme tu l'as fait pour cette femme à qui tu as ordonné de redresser ton dos. Je te prie de t'élever pour paralyser la résistance de la terre qui ne veut pas me voir émerger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux partager encore? Partage avant qu'on élève la voix pour prier. Partage avant qu'on élève la voix pour prier. Je suis en train de vous bénir. Quand j'écris, soyez bénis, recevez cela de tout cœur. Recevez la bénédiction. Vous tous qui êtes connectés maintenant, et surtout vous qui partagez, partagez dans 3-4 groupes avant qu'on élève la voix pour prier. J'aimerais que tu partages. Voilà que les interruptions ont commencé.
et partage encore davantage. Partage permet à quelqu'un d'être branché et scotché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous travaillons sous le rythme des signalements. Nous persévérons et nous persévérons toujours. J'annonce à quelqu'un, partage, partage et partage. Pendant que tu partages dans 3, 4, 5 groupes, que le Dieu Tout-Puissant te localise. Que le Dieu Très-Haut te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier maintenant pour dire à Dieu, mon avocat, hausse le ton et défend ma cause. Principal sacrificateur haïe, c'est le jour du sabbat qui t'a donné l'ordre de faire ce genre de miracle au jour du sabbat. La Bible dit Jésus ne l'a pas raté. Il soit récupéré. Tika il soit récupéré ndokia famille. Tika il soit récupéré tata moi sinon qu'au frère ami jaloux et méchant qui ne veut pas te voir réussir dans la vie. Que Dieu puisse s'en occuper. Est-ce que tu peux élever ta voix, demander à Jésus-Christ qu'il s'élève pour défendre ta cause. Que tout celui qui s'élève en opposant de ta bénédiction, qu'il croise l'avocat Jésus défendant ta cause. Ayana Buto, ayana Moi, Nzamba Telema, abana ko défendre cause nayo. Qu'il vienne la nuit tout comme le jour, que tes ennemis, les principaux sacrificateurs, qu'ils croisent et qu'ils entendent la voix de l'avocat plaidant pour toi. Est-ce que tu peux dire à Jésus, défends mon miracle, défends la cause de ma bénédiction, que tous ceux qui veulent me maintenir pendant plus de 18 ans, qu'après les 18 ans, ils veulent me continuer à me maintenir avec un dos courbé, qu'ils te croisent cette nuit, qu'ils te croisent la journée, qu'ils te croisent sur mon chemin, qu'ils te croisent dans toutes mes voies. Élève ta voix, commence à prier. Bele l'anzambe, abanda pour s'élever comme avocat. Nakombo naishto sambele, alléluia. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Toi qui as dit, la terre tremble le jour où l'esclave commence à régner. On a vu l'agitation dans le camp des principaux sacrificateurs. Papa, je sais qu'ils sont agités. Ils ne veulent pas me voir émerger. Ils ne veulent pas me voir se relever le défi. Ils ne veulent pas me voir enfanter. Ils ne veulent pas me voir épanouir. Ils ne veulent pas me voir me marier. Ils ne veulent pas me voir obtenir de l'emploi. Ils ne veulent pas me voir voyager. Ils ne veulent pas me voir influencer ce monde. Père éternel, ils veulent me maintenir à genoux. Que tous ceux qui veulent te voir à genoux, tu veulent voir ton foyer détruit, ils veulent te maintenir dans le célibat, dans le divorce, ils veulent te maintenir veuf, ils veulent te maintenir veuve, ils veulent te maintenir orphelin, souffrant toute ta vie. Tu vas dire à Dieu, lève-toi comme mon avocat, que tu te lèves comme mon avocat. Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans la vie de ta fille, lève-toi dans la vie de ton fils, comme son avocat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te prions maintenant de localiser chacun de tes enfants, chacune de tes filles qui prient de tout cœur. Dieu Tout-Puissant, tu connais des familles où les gens qui étaient censés leur faire du bien, mais s'élèvent comme des principaux sacrificateurs, les barrant la route, les empêchant de percer, les empêchant de monter. Papa, que ces personnes te croisent, qu'ils te croisent. Le débat n'était pas entre la victime et les principaux sacrificateurs, mais on a vu le débat entre Jésus et les principaux sacrificateurs. Aujourd'hui, lève-toi et commence à débattre. Défends la cause de quelqu'un. Défends la cause de mon frère. Défends la cause de ma soeur qui est en train de prier, qui t'invoque et qui croit. Du fait que tu sois son avocat, il croit en toi comme son avocat. Elle croit en toi comme leur avocat. Je te prie de t'élever. Que dans le monde des ténèbres, dans les camps de méchants, qu'ils attendent la voix du chef de l'armée de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Sois béni toi qui prie bien, que Jésus-Christ se fasse entendre sa voix partout où il y a un principal sacrificateur ne voulant pas te laisser aller et te laisser vivre ta destinée. Dieu, c'est le Dieu défenseur des faibles,
le défenseur des esclaves, le défenseur de personnes qu'on a limitées, que ce grand Dieu s'élève dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare la demoiselle qui avait les dos courbés n'a plus vécu comme ça avec un dos courbé. Après ce débat, c'était Jésus-Christ qui l'avait emporté parce que la femme fut guérie. Elle fut redressée au niveau de son dos. Elle a palpé le miracle. C'est pourquoi je déclare que le Dieu Tout-Puissant t'octroie et qu'il m'octroie le miracle aujourd'hui. C'est Jésus qui l'emporte. L'esclave ne restera pas esclave. Tu as marché hier avec un dos courbé. Tu ne marcheras pas comme ça pour toujours. Moi, à ta place, j'acclamais le Seigneur. Moi, à ta place, je disais un amen plus fort parce que cette parole s'accomplit dans ma vie. Si tu as pleuré la semaine passée, que cette semaine soit une semaine de témoignage. Si on t'a imposé une vie de souffrance la semaine passée, que cette semaine qui commence soit une semaine où tu redresses ton dos, une semaine de ouf, de soulagement. Que des temps de rafraîchissement viennent, des temps où tu pourras marcher la tête haute et dire Dieu est vivant. Tikanzamba situkisayo. Bato balabai ki rotira kam kongo ngumbama. Ba mona yozo tambo la peine normale. Que tu te promènes normalement, en toute quiétude, avec un dos redressé. Ceux qui t'ont regardé avec un œil de dédain, qu'ils te voient dans une nouvelle image. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui t'avaient limité, qui voient que les limites tombent. Ce Dieu-là est vivant. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un Dieu des histoires. C'est pourquoi pendant que je suis en train de prêcher, que Jésus-Christ localise chacun de ses fils, chacune de ses filles qui se retrouveraient dans cet état où la terre est en train de prendre le dessus sur eux. Que la puissance du tremblement de terre effraie un chemin. Nzambe anzenga mambu akata makambu na vinayo pe a pasolanzela comme il avait effrayé un chemin devant la mer rouge. Quand il y a un obstacle et qu'il n'y a pas d'autre voie de secours, Dieu se décide d'effrayer un chemin là où le chemin n'était pas. Que les gens ne comprennent pas comment à son âge là il peut épouser un jeune homme. Ah, ils ont dit que pas soli. À moins que tu âge nanga. La plupart c'est des aventuriers. Il y a un jeune homme comme ça, sérieux. Apécio, hein, passe en or, aux unayo. Mon mariage, ma limite d'âge exact. Il y a un amoté. Je connais un serviteur de Dieu qui a épousé une femme qui est plus âgée, 6 ans plus âgée que lui. Mais qui vivent en paix. Un couple formidable. Ils font la fierté de l'évangile aujourd'hui dans notre pays. Formidable, je vous dis. Tikanzamba pesayo oyo batba kanaki oyiko zwango jamais. À son âge là, il cherche encore des enfants, encore le sabarondeni. Que Dieu te donne des enfants même dans ta vieillesse. Nzamba kanki sabatu minoko, akanki sabandimi minoko. Pharaon poursuivant Israël et Moïse. Il se disait bon, la mer rouge là vraiment, c'est fini, ils vont pas. Ils n'ont plus d'ici des secours. Que personne ne limite Dieu dans ta vie. Quand Dieu voit que c'est impossible, il effraie un chemin. Si tu as été poursuivi par Pharaon et que tu es au bout de ta force, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'un chemin s'effraie devant toi. Que Dieu effraie un chemin. Qu'il t'effraie un chemin. À Pasolanzela, la mer rouge, au Katissa.
Et la Bible dit, Israël traversèrent à sec. As-tu un dossier qui dépasse ton entendement? Dis à Dieu, papa, effraie un chemin que je traverse à sec. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu, ces problèmes dépassent mon entendement. Je te prie, toi le Dieu capable d'effrayer des chemins, effraie-en un devant moi. Basolanzela, confond les calculs de Pharaon qui me poursuit. C'est ça l'opération tremblement. Un esclave qui doit régner. Je prie que le Dieu qui a pris la cause, qui a défendu la cause d'Israël, esclave entre les mains de Pharaon, sous la servitude de Pharaon, que ce Dieu effraie aussi un chemin devant toi, qu'il effraie un chemin devant moi, et que ceux qui nous ont maltraités, qui nous ont fait souffrir, qui avaient dit que nous ne pourrons pas vivre en homme libre, en femme libre, on ne sera jamais heureux, qu'ils voient la puissance de Dieu qui défend la cause des orphelins, qui défend la cause des pauvres, qui défend la cause des démunis et des personnes opprimées. Opération tremblement de terre. Le jour où l'esclave commence à régner, le temps a sonné où Dieu veut que Israël ne soit plus sous la servitude. Le temps a sonné où Dieu a décidé qu'une femme n'ait plus le dos courbé. Le temps a sonné où Dieu a décidé qu'un dossier soit traité. Le temps a sonné où Dieu a résolu qu'une femme stérile enfante. Le temps a sonné où Dieu a résolu qu'un chômeur soit engagé. Le temps est en train de sonner où Dieu a résolu qu'une personne qui a beaucoup pleuré dans sa vie puisse éclater de joie. Le temps a sonné où Dieu veut effrayer un chemin devant la mer rouge, qu'un malade soit guéri, qu'un paralytique marche. Et que ce temps soit manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux dire, Seigneur, effraie un chemin devant moi? S'il y a quelqu'un qui sent qu'il y a une oppression, il y a des attaques, des gens qui en veulent à sa vie, qui en veulent à ton travail, qui en veulent à ta santé, à ton étoile, tu vas dire à Dieu, effraie un chemin, que Pharaon soit confondu et que je marche la tête haute, que je vive en homme établi, épanoui, que je vive en femme épanouie, que mon foyer sorte de l'influence, de la domination, de la manipulation. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, nous te prions d'effrayer un chemin le long de cette semaine, que ce soit une semaine d'épanouissement, une semaine des ouvertures, une semaine de libération, une semaine au rédempteur où l'on avait limité. Que les limitations tombent dans le nom puissant de Jésus. Que les limites tombent dans le nom précieux de Jésus. Que les lois établies tombent dans le nom puissant de Jésus. Que les barrières soient brisées. Que la mer rouge soit fendue en deux. Que je traverse et que j'aille de l'autre côté. Père, confond les calculs de Pharaon. Confond les calculs du principal sacrificateur. Confond les calculs de ceux qui veulent me voir toujours, toujours pleurant, toujours me lamentant, toujours souffrant, toujours célibataire, toujours misérable, toujours bloqué, toujours limité, toujours dans la souffrance, toujours dans la détresse. Je prie dans le nom de Jésus qu'un chemin soit effrayé. Père, ceux qui veulent me voir toujours malade, je prie qu'un chemin se fraye. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, daigne le Dieu Tout-Puissant effrayer un chemin devant toi. Je crois en ta puissance. Tu n'as point changé, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lève-toi et effraie un chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le grand Dieu te localise. Je dis que le Dieu Tout-Puissant te localise. Qu'il effraie un chemin devant toi. Maintenant, commence à traverser à sec la mer rouge. Maintenant, je prie que le Dieu Tout-Puissant te fasse traverser à sec la mer rouge. Si les gens ont traversé à l'aide d'un bateau, toi, tu es en train de faire la traversée à sec. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire ceci. S'il y a eu des gens
qui ont traversé la mer à l'aide d'un bateau, que cette semaine Jésus-Christ te fasse traverser à toi, à sec, la mer rouge. C'est que ta situation est différente. Ton miracle sera différent. La solution à ton problème, elle sera différente. Le miracle que toi tu vas vivre, c'est un miracle différent. Les dieux qui visitent ceux qui sont arrivés au bout. Quand les hommes disent c'est fini, les hommes t'ont cloué, les hommes t'ont condamné, les hommes ont dit que ça n'ira plus, que Dieu s'élève. Donnez-moi un amen que j'explique encore. Encore une fois, amen que j'avance. Nous sommes dans Jean chapitre 5. On nous parle de l'histoire d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Je suis en train de parler aux personnes qui croyaient encore au succès dans ta vie. Ils t'octroyaient encore de la chance de réussir dans la vie. Ils disaient peut-être que ça ira demain. Peut-être que ça va marcher après-demain. C'est ce qu'on te disait. Peut-être, peut-être, peut-être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, on l'a pris. Il n'était pas parti seul là-bas. Il s'était fait accompagner des gens. Il y avait des gens qui l'avaient accompagné à la piscine de Bethesda. Arrivé à la piscine de Bethesda, mes amis, ils ont fait une année, 2 ans, 3, 4, 5, 10. L'un après l'autre, on commença à ne plus croire à la possibilité d'un miracle. Ils ont commencé à se retirer, mollo, mollo, petit à petit. Mon frère et ma soeur, ta situation, il y a des personnes qui en parlent dans leur chambre. Il y a des amis qui en parlent dans des groupes. Ton problème ou ton cas, il y a des gens qui disent que c'est fini. Papa, il y a des malades, mais la maladie là, je doute fort que la maman puisse tenir. Je ne lui donne plus 3 mois. J'ai été à l'hôpital. Vu le degré de son cancer, on a métastase ou on a penza. Dieu peut faire. Mais quand il dit Dieu peut faire là, c'est pas qu'elle croit que Dieu fera. Ça veut dire qu'il est en train de déclarer déjà que la personne va mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui parlent de ta situation. C'est comme s'ils avaient un but, qu'ils ont déjà mis un point final. Ils ont dit, là vraiment, le degré de son cas, irrécupérable, mes amis. Moninga na yo abetali solo. Mon bal na yet degra ki ndumba komi na mou. Na kouta na ki na yet. Na petit toi na kouna. Petit a pembe. Wa mou le lango mou bazan na mou mikolo. Bazan na ba boite de nuit nyonso. Tous okouta na ba mou. On les retrouve partout dans des boîtes de nuit, dans des hôtels. Ils sont ensemble partout à la plage. Notre ami là va perdre le mariage. Je ne pense pas qu'il va. Le monsieur là, à bientôt va épouser la petite. Nema solo batbazo betana kombo na yo. Je vous dis la vérité. Le niveau de l'impudicité, de l'infidélité, de qu'a atteint son mari, je ne pense pas que leur foyer là va encore tirer pour longtemps. Le niveau de la légèreté sexuelle de cette femme là, je ne pense pas qu'on va la garder encore pour longtemps dans ce foyer. Bien-aimé, il y a des gens qui sont en train de raconter et voire même de dramatiser la situation par rapport à ce qui t'arrive. Pendant que toi tu pleures, pendant que tu fais des grincements des dents, pendant que tu murmures, pendant que tu te lamentes, pendant que tu te bats pour chercher la face du Seigneur, il y a des gens qui ne t'accordent aucune chance de réussir dans la vie. Et ils trouvent ça normal, mes frères.
trouve ça normal. Ils l'ont abandonné à la piscine de Bethesda. Ils se sont écartés. Chacun commença à faire sa vie. Des fois, ils se rencontrent à cours de route. Est-ce que vous avez vu le... Ah, le vieux là, moi, ça fait 10 ans que je ne l'ai plus vu. Est-ce qu'il est toujours vivant? Eh, on a laissé la piscine de Bethesda. Ah, celui-là, vraiment, il faut que Dieu intervienne. Il pèse. Hein. Ah, ça l'attend, moi, pépé, tout, mais le gros, la biscuit, au bois, il y a 4. Il faut être au moins 20 personnes pour le soulever. Et puis, le papa en question, peut-être qu'il est sorcier. Peut-être qu'il connaît sa souffrance, il connaît la cause. Bien-aimé, je vous dis que c'est comme ça. Les gens de la terre sont comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans l'entretemps, c'est le paralytique qui souffre. Lui continue à espérer en la bonté du Seigneur. J'annonce à quelqu'un, continue à espérer en la bonté du Seigneur. La Bible déclare, il y a de l'espoir pour quiconque vit encore. Il nous reste encore très peu de minutes pour qu'on puisse clôturer. Il y a de l'espoir pour quiconque vit. Le tout dernier qui était resté à 20 ans, il est aussi parti. 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, il est resté seul. Même lui-même, quand il était seul, il continuait à espérer à un miracle à la piscine de Bethesda. Oh, je vous prêche les dieux de personnes persévérantes, des personnes déterminées. Moussoumini Nakatouboula, une personne qui est déterminée, n'a jamais échoué. Un adage français dit, les lâches ne gagnent jamais, mais les gagnants ne lâchent jamais. C'est ce que j'étais en train de dire à ma langue natale. Moussoumini Nakatouboula. Donc les gagnants ne lâchent jamais. Des personnes qui persévèrent finissent par réussir et remporter. Tikanzamba peso, détermination peut persévérance à Bandoki. Hein, les sourcils sont comme ça. Ils ne relâchent jamais. Tu peux les taper aujourd'hui, demain ils reviennent, ils changent de forme. Tu les menaces feu, demain ils reviennent encore. Allez, Mbaratin. Yayum to Limbabango. Bambo Limbote. C'est comme des maris de nuit, non? Et des femmes de nuit. Ils reviennent toujours. La Bible dit, quand un démon sort d'un corps, il va se promener. Après, il va revenir encore pour checker, tenter. Il n'y a pas une ouverture. Terre aux oies, porte à côte. Que Dieu te donne cette persévérance. La leur est dans le sens négatif, mais la tienne. Une persévérance dans le sens positif. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je ne te vois pas réagir. Toi qui me donnes un amen plus fort, que Dieu te rende beaucoup plus persévérant que les sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ya yo persévérance dans ma zopesso et les kabanchor et les kabanloki. Sois plus persévérant, plus déterminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 36 ans, il n'y avait toujours rien. 37 ans, rien du tout. 37 ans et demi. Les gens commencent à dire, ah mais ce papa-là, vraiment drogué. C'est lui maintenant qui est le sorcier. Il doit être le numéro 1 là-bas. Il connaît tout le monde dans la piscine de Bethesda. Est-ce que vous connaissez le papa? Le papa parle. Oh, le vieux paralytique là. Ah, le vieux est toujours là. Il y a des gens qui parlent de ton chômage. Des gens qui parlent de ta souffrance. Il y a des gens qui parlent de ta solitude. Il y a des gens qui parlent de ton mépris. Il y a des gens qui parlent de ta galère. Il y a des gens qui parlent de tout sauf de rien. De ta stérilité. Il y a des gens qui parlent de ton célibat. Il y a des gens qui parlent de ton veuvage. Il y a des gens qui parlent de tes échecs répétés. Il y a des gens qui parlent de tout le mot qui t'arrive. Comme on parlait aussi de Job. Job n'avait plus d'amis. Les amis sont venus. Comme pour le consoler, après ils ont formé un bloc. Ils commençaient à se moquer de lui. Même sa propre femme a changé de langage. Maudit seulement Dieu en question et meurt. C'est-à-dire que j'en ai marre de toi, j'en ai marre de cette souffrance. Et
La Bible déclare, Job en tout ça ne pécha pas contre l'Éternel son Dieu. Ce paralytique est resté, espérant contre toute espérance, ferme à la piscine de Bethesda. Tikanzamba pesayo mtema oyo. Yarozela nzambe, comme Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste et j'attendais pour voir ce que me dira l'Éternel. Quand Dieu te voit ferme et fidèle à ton poste, il vient toujours pour dire quelque chose. Mais quand il vient pour dire, ce n'est pas des paroles qui sont encore des promesses à long terme. Quand il vient pour déclarer à cause de ta fidélité, quand il observe ta persévérance, ta fidélité, ta loyauté à un poste, quand il prononce des paroles, ce n'est plus de promesses, mais c'est pour l'accomplissement. Je prie que Dieu observe aussi ta fidélité, qu'il te voie et qu'il voie ta constance. Je ne veux pas trahir mon Dieu, ni souiller mon corps que le temple du Saint-Esprit. Moi, je suis l'homme de la continuité des actes des apôtres. Je ne vais pas souiller mon corps à la prostitution, à l'impudicité, à la légèreté sexuelle, à cause des miettes ou à cause des millions. Science occulte, je ne toucherai pas au fétiche. J'attends le Dieu Tout-Puissant. Divorce, moi j'attends le Dieu qui honore ceux qui espèrent en sa bonté. Marie-toi seulement, accepte même le troisième mariage, troisième bureau, quatrième bureau. Tu te dis non, moi j'attends le Dieu qui a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme et pas ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Je suis Marie-Rose, je suis Marie-Thérèse. J'ai déjà 47 ans, 48. La ménopause déjà dépassée. Mais ce Dieu-là n'est pas un menteur. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Comment moi, la fille de Dieu, je dois aller détruire le foyer des autres comme troisième femme, quatrième femme, deuxième femme? Tu dis non. J'attends à mon poste pour voir ce que me dira Dieu. Quand tu es fidèle, tu es à ton poste, tu n'attends pas Dieu pour entendre ce qu'il te dira. Quand tu es là pour entendre, c'est-à-dire que c'est en termes de promesses. Mais quand tu es fidèle à son poste, tu attends pour voir. C'est-à-dire que quand Dieu parle, aussitôt toi tu vois. Quand Dieu parle à cause de ta fidélité, quand Dieu s'élève dans ta vie parce que tu lui es fidèle, parce que tu es resté ferme, il ne parle plus dans les futurs, mais il parle pour l'accomplissement. Il parle et l'ordonne l'exécution dans l'immédiat. C'est pourquoi mes frères et sœurs, le paralytique à la piscine de Bethesda, qui était resté fidèle 38 ans durant, il n'a pas changé de piscine. Il est resté là parce qu'à la piscine, il y avait l'ange de Dieu qui agitait l'eau. L'agitation de l'eau, c'est la prédication de la parole. C'est la prédication de l'évangile. L'ange, c'est le messager de Dieu. Toi qui es resté fidèle dans la présence de Dieu, écoutant loin de l'Éternel, qui prêche, qui édifie, qui affecte ta foi, à cause de ta fidélité, l'ange de Dieu a fait son travail. Il y a Jésus qui voit tout et qui vient. Et quand il vient pour te visiter, ce n'est pas pour te faire des promesses, mais c'est pour ordonner et que tu vives l'accomplissement dans l'immédiat. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que l'agitation de l'eau, si elle n'a pas fait quelque chose de grandiose dans ta vie, peut-être seulement affectant ta foi, t'affermissant, mais que Jésus parle aussi à quelqu'un qui lui est resté fidèle, qui a refusé de fléchir les genoux comme les autres, en suivant l'ambiance dans des boîtes de nuit, en touchant des gris-gris, en partisant avec le diable, mais tu as accepté de demeurer ferme et fidèle dans sa présence. Que Jésus-Christ te parle et que tu vives le miracle. Que cette semaine soit une semaine où Jésus-Christ ne parle pas comme pour te faire des promesses, mais qu'il parle pour que tu rentres à l'accomplissement. C'est pourquoi Habakkuk dit, je m'étais à mon poste et j'étais fidèle pour voir ce que Dieu dira. Quand tu es fidèle, Dieu dit des choses et tu vis l'accomplissement dans l'immédiat. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine soit une semaine d'accomplissement. Que tu commences à palper
des promesses qui ont duré, mais à cause de ta fidélité, que tu vives l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reste à ton poste et commence à voir, commence à saisir, que cette semaine tu commences à palper, que tu commences à témoigner les merveilles de Dieu dans ta vie, que quelqu'un commence à dire, Seigneur, parle. Loba, liloba moko ponangae, nakomina sukae, Yesu loba ponanga. Père, que tu parles. Et la Bible dit, tout le monde l'avait déjà laissé, il ne croyait plus. Mais le paralytique était resté, il a vu Jésus. Le Dieu fidèle qui vient pour visiter ceux qui restent fidèles au poste. Il n'a pas fait de promesses. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Le jour de la visitation de Dieu, c'est le jour auquel tu ne t'attendais pas. La semaine de la visitation de Dieu, c'est une semaine que tu n'as même pas rêvé. Je prie que Jésus s'élève le long de cette semaine et qu'il te fasse une surprise agréable. Le Dieu qui surprend des hommes fidèles, des femmes fidèles, que Dieu localise la fidélité de quelqu'un. Ta fidélité par rapport à ta femme, à ton mari, par rapport à ton Dieu, ta fidélité par rapport à ton travail, la discipline et la crainte de Dieu, que Dieu te localise là où tu es et qu'il vienne te faire expérimenter un miracle sec. Que Dieu élève sa voix, qu'il ouvre sa bouche et qu'il parle, pas en termes de promesses à venir, mais qu'il parle pour que tu vives. Que Dieu honore ta foi, qu'il voie ta fidélité et qu'il dise des choses que tu ne palpes maintenant. Dans cette semaine, que tu commences à témoigner les merveilles du Très-Haut. Prions au nom de Jésus, alléluia. Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, cette nuit nous prions que tu t'élèves dans ma vie. Que tu t'élèves dans mon ministère, que tu t'élèves dans mon foyer, que tu t'élèves dans mon séjour, que tu t'élèves par rapport à ma santé, que tu t'élèves dans le mariage, que tu t'élèves dans les voyages, dans les affaires et commerces. Lève-toi Yahweh et que tu dises un mot. Lève-toi Yahweh et que tu prononces une parole. Lève-toi Shiloh d'Israël et que tu manifestes ta puissance au nom puissant de Jésus. Parle maintenant, que le paralytique marche. 14 ans, 38 ans, 18 ans de dos courbé, 38 ans de paralysie, 38 ans de souffrance, 38 ans de servitude et solitude. Papa, tu es le Dieu qui changea l'histoire de ce paralytique en une journée. Parle maintenant, pas en termes de promesses, parle en termes d'opération miracle. Parle en termes d'opération miracle. Qu'une personne palpe le miracle cette semaine. Que la semaine dans laquelle nous rentrons soit une semaine de miracle divin. Un miracle authentique. Un miracle sec. Fais-nous rentrer dans cette dimension où le monde saura que tu es le Dieu qui guérit sans aucun concours d'une main. Il ne suffit pas qu'on soit plongé dans l'eau. Il ne suffit pas que quelqu'un puisse nous aider. Mais que tu t'élèves toi-même dans ta souveraineté pour faire marcher le paralytique, celui dont les affaires boitaient, celui dont le foyer était en difficulté, celui dont la santé boitillait, celui dont les affaires étaient plongées dans l'eau, étaient limitées, bloquées. Je te prie maintenant que tu ordonne Seigneur, que le paralytique marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de faire marcher ton fils. Merci de faire marcher ta fille. Merci de restaurer un foyer. Merci de restaurer des affaires. Merci de restaurer une vie professionnelle. Merci de restaurer les entrailles. Merci de restaurer les portes qui étaient fermées, de les ouvrir. Merci d'éteindre ta main et d'effrayer un chemin dans le désert, également un chemin dans la mer rouge. Merci de restaurer la vie d'une femme qui avait perdu son mari, qui avait perdu sa femme. Merci de consoler les orphelins. Merci de restaurer la vie étudiantine de quelqu'un. Merci Seigneur pour le miracle authentique, le miracle sec. L'esclave ne restera pas esclave. Le paralytique à la bitine de Bethesda ne restera pas quelqu'un ou sur qui toutes sortes d'insultes et d'injures, de mépris et de dédain vont reposer sur son dos. Merci parce qu'une femme reconnue, malheureuse, Seigneur, tu es le Dieu qui change son statut. Merci pour la veuve qui a un mari,
la servante qui hérite même de son maître ou de sa maîtresse. Ayaki mwana musala, mais azo héritage. Ya reine kota kende rosala musala. Aota ki mboka za mboka na yete, mais a bénéficié d'un héritage en mboka. La Bible dit, les meilleures productions du pays, ce sont les justes qui vont les consommer. Père, permet à ta fille et à ton fils qui a piétiné une terre de bénédiction, bien que ce ne soit pas sa terre natale, mais que chacun de tes fils puisse bénéficier des meilleures productions du pays. Que les écluses des cieux s'ouvrent, que Dieu arrose ta vie, que Dieu arrose ton travail, que Dieu arrose ton ministère, que Dieu arrose tes activités, que Dieu te localise, qu'il te restaure, qu'il restaure ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prends ton stylo et je commence à déclarer, à prophétiser. Je suis en train de dire que la semaine qui vient de commencer, ça ne soit pas des slogans, mais que ça soit une parole où Dieu déclare et observe ta fidélité. Qu'il te fasse vivre ce à quoi tu as aspiré depuis des jours. Toi qui t'attendais à un miracle la semaine passée, le mois passé, les années passées, tu attendais quelque chose de Dieu, tu attends cela impatiemment. Je suis en train de déclarer sur toi que cette semaine, Dieu localise. Il te localise et qu'il voie ta fidélité. Qu'il fasse de même qu'il a eu à faire dans la vie du paralytique de Bethesda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de déclarer, toi qui as longuement attendu ta guérison, toi qui étais malade, que Dieu honore ta fidélité et qu'il te sorte de cette position. Que Dieu fasse bouger les dossiers que tu as introduits quelque part pour le travail, les dossiers dans les affaires, les dossiers de voyage. Que Dieu honore la foi de quelqu'un, femme stérile, homme stérile, que Dieu localise des foyers qui attendent depuis plus de mois, des jours et des semaines, des enfants. Localise des maisons, localise des vies humaines, localise des foyers, localise la santé de quelqu'un qui a souffert pendant des années. Yahweh, opère un miracle dans ma vie. Localise-moi, localise mon frère, localise ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant te localise. Que le Dieu Tout-Puissant honore ta foi. Qu'il te restaure. Qu'il te fasse sourire, toi qui as pleuré. Et toi qui espères en sa bonté. Malgré la souffrance, malgré les mépris, malgré les dédains, tu as toujours les yeux braqués vers le Seigneur. Les gens ont dit que son Dieu-là n'agira plus. Qu'il cherche la solution ailleurs. Mais toi, tu te dis, Seigneur, auprès de qui irai-je encore? Que Dieu honore ta foi. Que cette semaine, qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Yahweh, de restaurer. Merci de rétablir. Merci de rebâtir. Merci de corriger. Merci de réparer. Merci de reconstruire. Merci d'ouvrir des portes. Merci de stabiliser. Merci d'essuyer des larmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous ensemble Amen, Amen et Amen. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que le Dieu Très-Haut honore ta foi, qu'il te bénisse richement. C'est par là que nous allons mettre un point final à notre mission, tout en vous rappelant du grand programme qu'on commence sur notre chaîne YouTube ce 19 ou ce 20 septembre. Jusqu'au 30, 10 jours de prière sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala. 10 jours de prière sur les problèmes et les conflits familiaux. Des problèmes de famille, des conflits au sein des familles. Il y a un programme que nous planifions, que Dieu puisse nous aider à les résoudre et qu'il nous sorte vainqueur. 10 jours de prière. On sera là pour prier par rapport aux problèmes de famille. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Retenez le programme de la semaine. Intercession avec l'homme de la continuité.
du lundi au jeudi à partir de 14h30 heure des États-Unis sur notre page Facebook Patrick Alain, sur cette page on sera là demain lundi, aujourd'hui lundi plutôt, 14h30 heure des USA, ce qui fera 21h30 heure d'Europe et d'Afrique, c'est-à-dire 14h30 21h30 heure d'Europe et d'Afrique sur cette page Facebook Patrick Alain Ministry. On sera là pour prier avec vous dans une heure d'intercession avec l'homme de Dieu. On prie pour des familles, on prie pour des foyers, on prie pour les études, on prie pour la santé, on prie pour les prisonniers, on prie pour des ministères, on prie pour tout. On va, selon que le Saint-Esprit nous met à cœur, on va orienter notre séance d'intercession. Je vous prie de ne pas manquer. N'oubliez pas que ceux qui s'aiment avec pleurs moissonnent avec chants d'allégresse. Tu peux te dire, je vais passer une heure comme ça pour prier pour les autres. Laisse-moi te dire que pendant que tu pries pour les autres, Dieu s'occupe de ta maison. C'est-à-dire que tu es en train de s'aimer et le Dieu Tout-Puissant également en train de planter derrière ton dos. Du bien que tu fais aux autres, Dieu te les rendra. Sème, dispose de ce temps pour prier. Et si ta prière peut sauver une famille, la tienne les jours où elle sera en difficulté. Au compagnie, une paix soudaine rentre dans ta maison parce que tu as à élever ta voix priant pour les autres. Le jour où la maladie va visiter ta maison, même la pandémie, elle peut partir d'elle-même parce que Dieu se souviendra que tu ailles intercéder pour les malades quelque part. Je prie en ce net moment que ce Dieu te visite et qu'il te restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le deuxième programme. Donc, lundi à jeudi. Le vendredi et le samedi, c'est sur YouTube que le programme continue. Le vendredi et le samedi, 14h30. Vous voyez qu'on a perturbé tous nos programmes par rapport à notre emploi du temps. Surtout dans cette période de rentrée scolaire, on a beaucoup de tâches à faire. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. Vous voulez contacter le pasteur Kalala? L'homme de Dieu répond au plus 1 331 262 49 03. Nous répétons pour une meilleure audition. L'homme de Dieu, votre âme serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1 331 262 49 03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques. Ce sont là, donc j'affiche le numéro, les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec le pasteur Kalala. Vous qui voulez soutenir ce ministère, matériellement, financièrement, vous pouvez appeler par ce numéro et faire votre contribution. Quand vous faites la contribution, vous m'appelez. Vous pouvez faire le transfert par Patrick Kalala, @ Patrick Kalala Ministry. Ça, c'est sur PayPal, @ Patrick Kalala Ministry en un mot. Soit sur Cash App pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est Patcal Ministry. Soit vous pouvez faire un transfert à l'agence et vous appelez au numéro 331 262 49 03. Tous les reçus des transferts seront présentés à l'organisation de Patrick Alala Ministry ici aux États-Unis et le Dieu Tout-Puissant vous bénira. Et n'oubliez pas qu'en bénissant ce ministère, vous ne bénissez pas seulement le pasteur Kalala, mais vous bénissez aussi les pauvres, les démunis, les orphelins, les pauvres, tous ceux qui sont en difficulté. Ils bénéficieront également de votre donation. Allez, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous prie, vous qui nous suivez, vous avez suivi les programmes, c'est sur YouTube. Vous êtes déjà abonné, gloire à Dieu. Vous n'avez rien à faire. Vous attendez le 20 septembre. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube Patrick Kalala, je vous prie de vous abonner. Allez-y, après cette émission, allez-y sur YouTube. Dans Recherche, écrivez Patrick Kalala. Et puis, cliquez sur s'abonner. Une fois que vous êtes abonné, c'est fini. Cliquez sur la cloche de notification, c'est comme une sonnerie à côté. Vous serez abonné à notre chaîne YouTube. Et le jour, le 20 septembre ou le 19, vous n'allez pas rater ce programme. Vous serez la première personne à être notifiée depuis votre téléphone. Il est 1h30 chez nous ici. On a consommé nos 2 heures. C'est par là que nous mettons un point final à notre émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et à la prochaine.